vous est offert par FDL. Discussion directe au centre interdiocésain. Trois commissions sont à l'œuvre pour éviter au pays de sombrer dans les chaos. Les délégués du MLC ont, quant à eux, décidé de reprendre leur place à la table de négociation. La MONUSCO de son côté s'est dit optimiste quant à l'issue des discussions entre les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine et le rassemblement ainsi que leurs alliés. Elle signale cependant avoir renforcé ses mesures de surveillance pour documenter les violences des droits de l'homme. Antenna, le journal, Sylvie Fortuné, Moula. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes et merci à vous tous de nous rester fidèles. Direction au centre interdiocésain de Kinshasa où les délégués au dialogue sont répartis en commission pour la poursuite des travaux. Les participants ont suivi de près l'exposé du président de la commission électorale nationale indépendante Corneille Nanga sur l'organisation des élections en RDC. La suite en images. Les délégués aux travaux du dialogue au centre interdiocésain de Kinshasa sont répartis en trois commissions. Gouvernance des institutions, processus électoral et mesures de décrispation politique. En quoi les uns les autres, les travaux se déroulent normalement. Vital Kamer est membre de la commission processus électoral, a affirmé que les discussions vont bon train. Nous sommes ici pour avoir un calendrier électoral qui va permettre au peuple congolais d'avoir les élections. Et nous sommes là avec l'opposition politique que nous représentons qui était au dialogue, mon collègue Jean-Lise Bousset et moi-même, l'opposition politique qui n'a pas participé aux travaux, Martin Fayoulou, Christopher Ngoï, Didier Mauricio, la majorité au pouvoir, Chadari et Martin Kabelou. Et nous avons fait venir à la demande des évêques, mais aussi appuyés par les amis du rassemblement et nous-mêmes, la CENI. Et pour votre information, l'annonce des derniers résultats pour ce calendrier, c'est en février 2018. Maintenant, nous sommes dans cet exercice-là, avec la complexité de la matière. Nous voulons, avec tous les amis de l'Assemblée qui sont venus, et c'est de la majorité, encore une fois, inviter tout le monde à la souplesse et à la flexibilité. Quant à François Mbatichimbi, il reste confiant pour la suite des événements. Je dois avouer que le climat est positif. Décembre, minuit le plus loin. Les Congolais attendent avant cette date de réponse précise à leurs préoccupations. Y aura-t-il un président élu? S'il n'y en a pas un, qu'est-ce qui se passe? Cette réponse doit venir d'ici avant. Au niveau de la gouvernance des institutions, Valentin Moubaké fixe l'opinion sur le déroulement du travail au niveau de sa commission. Nous, on n'est pas là pour interpréter la Constitution. Vous me permettrez que je vous dise qu'il y a des divergences fondamentales et je ne voudrais pas brûler la politesse aux évêques. Nous avons été très concis pour résumer notre compréhension du respect de la Constitution à quatre principes. Ces principes vont aux libertés fondamentales et droits humains en passant par la date du 19 décembre 2016. Aux dernières nouvelles, les délégués du MLC auraient réclamé les travaux au centre interdiocésain. Le Front, après consultation de ses organes, a accepté d'affirmer sa position afin d'envisager la possibilité de reprendre sa place dans ce dialogue pour sortir le pays de la crise. Il faut dire que les participants du MLC avaient claqué la porte suite au mécontentement exprimé sur le quota leur réservé. Assurant sa mission des bons offices pour les pourparlers entre acteurs politiques, la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO a indiqué que les travaux se poursuivent pour dégager un large consensus en vue d'une sortie pacifique de la crise sociopolitique et de l'organisation des élections dans un meilleur délai. Les propos de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général ad intérim de la CENCO, ont été recueillis pour vous par Josène Belébélé et Natacha. Les travaux ont porté essentiellement sur six points.
A. Le rappel des acquis lors des travaux précédents, notamment la validation partielle des mandats des délégués, l'adoption de la feuille de route et du code de bonne conduite, mise sur pied d'une cellule de communication, création d'une tribune de communication à la RTNC qui se tiendra après le journal télévisé de 20h. 2. La validation définitive des mandats des délégués au terme de cette journée. Il faut noter la volonté des uns et des autres de poursuivre les travaux et de parvenir au large consensus en vue d'une sortie pacifique de la crise sociopolitique et de l'organisation des élections dans un meilleur délai. Changeant de cadre maintenant, nous allons quitter le centre interdiocésain de Kinshasa pour le quartier général de la MONUSCO. Vous le savez, il y a eu conférence de presse hebdomadaire. Les parties prenantes aux discussions sous la médiation de la SEMCO sont appelées à trouver un consensus pour présumer le Congo-Kinshasa d'un chaos qui ne dit pas encore son nom. De moment, Patricia Amouli et Hugues Moussongila, ils vous proposent ce reportage. Les discussions directes entre les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine et les rassemblements ainsi que leurs alliés au centre interdiocésain aboutiront à des solutions consensuelles. Mais quelles solutions devraient éviter au Congo-Kinshasa de sombrer dans une crise indescriptible, soit de la MONUSCO? Nous espérons qu'à l'issue des négociations qui sont en cours au centre diocésain, il y aura un accord qui va nous éviter de faire ce que nous sommes en train de faire des hypothèses, si ceci ne se fait pas, etc., etc. À propos des sanctions émises récemment par les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne à l'endroit de certaines autorités, tant civiles que militaires RD congolaises, la MONUSCO déclare avoir pris acte. C'est une décision souveraine de l'Union européenne et des États-Unis. Et en tant que tel, nous, aux Nations Unies, nous n'avons pas de commentaires particuliers. Nous prenons acte que cette décision a été prise. Les conseils de sécurité peuvent aussi dicter des sanctions si on estime que ce sera opportun. Mais ça ne dépend pas de nous. Question de prévenir des éventuelles violations des droits de l'homme dans les jours à venir, la MONUSCO dit avoir renforcé ses mesures de surveillance dans 3 villes. Toute notre équipe est prête pour documenter qui sont les auteurs de la violence pour les dénoncer. Nous avons renforcé notre présence surtout à Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Renforcer les mesures de surveillance, c'est bien. Amener les uns et les autres à éviter de plonger le pays dans le chaos, c'est mieux. Le 10 décembre de chaque année consacré à la journée mondiale de droits de l'homme, cette célébration, Roli Moukaka nous en fait part depuis Bandundu. Journée internationale des droits de l'homme. En cette année dans l'Équilou, l'accent est placé singulièrement sur les droits des personnes vivant avec handicap. Quel état des lieux de la situation de cette catégorie de personnes souvent marginalisées? La question a préoccupé la MONUSCO. Voilà ce qui justifie l'organisation par son bureau des droits de l'homme d'une conférence débat sous le thème « Défendre les droits de quelqu'un aujourd'hui ». Cibler les défenseurs des droits de l'homme, les ONG et les handicapés, cette conférence dans son déroulement a connu des grands exposés. Le premier est axé sur la liberté publique. Le deuxième est revenu sur les droits des personnes vivant avec handicap. Dans cette intervention, l'orateur martèle sur la précarité de la situation socio-économique des handicapés, singulièrement dans l'Équilou. Puis, s'en est suivi un échange pour déceler les zones d'ombre. Signalons que les handicapés à cette occasion ont saisi la balle au point pour présenter leurs desiderata aux décideurs à travers un mémoire. Notre souci majeur est de vous rappeler sur l'oubli de certains articles de notre convention décrétée par la Commission des droits de l'homme depuis 1992 concernés 1. L'intégration 2. La considération 3. L'égalité des chances et j'en passe. Ainsi, nous demandons à notre garant et la tête de l'exécutif provincial du Kwilu et ses collaborateurs de jeter un coup d'œil sur cette convention. J'ai dit et je connais.
Et puis l'UNICEF a organisé un atelier de formation de 2 jours à l'intention de professionnels de médias sur la situation de la santé de l'adolescence en République démocratique du Congo. Nous sommes de retour à Kinshasa, la capitale. Objectif de la formation, renforcer les capacités de journalistes sur la santé sexuelle et la reproduction des adolescents et de jeunes. Willy Kacha. Dans le monde, près de la moitié de la population est constituée des adolescents et jeunes dont l'âge varie entre 10 et 24 ans. Ils représentent ainsi un poids démographique qui exige qu'une attention particulière leur soit accordée. La majorité d'entre eux ont de multiples et variés problèmes dont les plus importants sont ceux liés à la santé sexuelle et de la reproduction. Voilà pourquoi dans le souci d'étendre les émissions à plusieurs chaînes de radio, de télévision et à la presse écrite, un atelier a été organisé du 13 au 14 décembre 2016 dans la salle de conférence de l'UNICEF, à l'issue duquel un plan de communication a été élaboré avec la collaboration de toutes les parties prenantes. Il a eu pour objectif, entre autres, de renforcer les capacités des journalistes sur la santé sexuelle de la reproduction des adolescents et des jeunes en mettant un focus sur le VIH-SIDA, élaborer un plan des émissions avec le radio, télévision et la presse écrite. De son côté, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabangé, a remis symboliquement quelques matériels aux hôpitaux généraux de Kindu et de celui de Manono dans le Tanganyika le mardi 13 décembre dernier au dépôt de l'entreprise Essor Équipement. Cette remise s'enregistre pour le compte du projet d'équipement des structures sanitaires. Patricia Bassoua nous en dit plus dans ce reportage. Constitué essentiellement de lits, tables de bureau, ordinateurs fixes et portables, couveuses, tables d'accouchement et d'autres matériels de haute importance destinés aux hôpitaux généraux de Kindu, au Maniema et celui de Manono en province de Tanganyika, hôpitaux réhabilités de fond en comble et à peu. Au dépôt de l'entreprise Essor Equipment, société chargée d'achat de ces équipements pour le compte du gouvernement, le ministre Félix Kabangé s'est rassuré de la qualité du matériel avant de le remettre symboliquement aux bénéficiaires. Nous sommes là pour recevoir officiellement les équipements de l'hôpital général de référence de Manono et l'hôpital général de référence de Kindu, un marché qui avait été gagné par Essor Equipment. Et nous sommes ici dans les entrepôts d'Essor Equipment. Nous avons tous ces équipements que le gouvernement va doter. Ces deux hôpitaux seront complètement renouvelés en équipement médical et équipement non médical. À ce lot important de matériel s'ajoutent 2 ambulances médicalisées pour desservir ces provinces. Notez que ces équipements sanitaires ont été acquis sous fonds propres du gouvernement dans le cadre du programme d'équipement de structures sanitaires PES en sigle. Un mot en économie avant de passer à autre chose. Les denrées alimentaires doivent baisser des 18%. La décision a été annoncée le vendredi dernier par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Déogratias Mutombo Mwananyembo. Mais sur le terrain, rien n'est respecté. Le prix de produits de première nécessité augmente au contraire et la population s'est plaint, elle, de la dépréciation du franc congolais face à la devise étrangère. Suivez ce constat qui a été fait pour vous par Mathieu Ngadipovi, Bliss Mapatou et Patricia. À l'approche des festivités de fin d'année, certaines informations faisaient état d'une probable révision à la baisse de l'ordre de 18% sur le prix de certains produits de première nécessité. À quelques jours de la Noël, c'est plutôt l'effet inverse qui s'observe sur le marché. Les prix des biens sont toujours à la hausse et n'ont pas baissé suite au dollar. On nous a dit que les prix doivent baisser de 18%, mais rien ne bouge. Comment allons-nous faire vivre nos familles avec des prix si hauts? Les prix sont à la hausse et les biens ne se vendent pas. On dit que les prix ont baissé. C'est tout le contraire. Les vendeurs se plaignent ainsi de la rareté de la clientèle. Il n'y a pas de
silence au marché suite à la hausse des prix. Nous ne vendons pas. Nous avons été comme tel que nous avons en décembre. Nous avons été soutenus. Ce n'est pas une influence du mois de décembre. Les clients se réservent car les prix ont pris l'ascenseur. Il n'y a pas de clients. Une des causes de la hausse du prix est l'instabilité du franc congolais face au dollar américain. La population congolaise invite par conséquent l'autorité compétente à se pencher sur la question. Nous demandons au gouvernement de faire baisser les prix car on n'en peut plus. Les Congolais continuent cependant de croire en une fin heureuse de l'année, tant sur le plan social que politique. Vous avez suivi le rendu de Dans mon mat en sport. La Fédération congolaise de rugby a procédé à l'ouverture de la saison sportive et les démarrages du championnat de la Ligue provinciale de la Banne Ovale. C'était le samedi dernier. Ndaïla Mbouchi. Le championnat de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa a démarré le samedi 10 décembre 2016 au terrain de la Banne Ovale, en match d'ouverture en première division. Le rugby club de Konga a administré une leçon à la formation des rugby Africa Club, RAC sous le score de 17-3, soit 3 essais et 1 transformation pour le Konga et une seule pénalité pour le banalité de RAC. Les athlètes et les dirigeants de la Ligue sont satisfaits de cette explication. Le match était trop dur, il y a eu des imperfections, surtout au niveau des replacements. Donc on a beaucoup subi, surtout en premier mi-temps, en deuxième mi-temps, c'était vraiment un match à sens unique. On a subi du début à la fin, mais c'est pas grave, on va travailler, il y aura un match retour, on va jouer. On est content d'avoir gagné la première sortie, parce qu'on dit c'est vraiment le début qui donne de l'élan. Donc comme on a gagné, déjà on a pris un bon élan, donc on est vraiment content avec toute l'équipe. Donc c'est un peu ça. Très satisfait, parce que les deux équipes qui sont affrontées aujourd'hui, ce sont des grandes équipes de ma ligue. En première division, nous avons 8. Deuxième, nous avons 6. Troisième, nous avons 8. Et puis, il y a 6 clubs de filles. 6 clubs de petits. Les autres résultats enregistrés sont le rugby club, les étoiles de la Gombe, champion en titre, a subi une défaite devant le rugby club, le Panthère, sous la marque de 10-15, soit 2 essais pour l'étoile. Et 3 essais pour Panthère. En deuxième division, le rugby club Académie de la Gombe s'est incliné devant le rugby club Les Coriaces de l'Université de Kinshasa par 0-7, soit un essai transformé pour Les Coriaces. La première journée du champion de la Ligue provinciale va se poursuivre ce week-end. Bien avant, la Fédération congolaise de rugby a remis un lot d'équipements au club de Kinshasa, dont de la World Rugby. Et nous vous annonçons que la presse congolaise est en deuil. Le patron de la télévision Mirador et du journal Le Palmarès, Michel Ladi Luya, est décédé ce matin à l'hôpital du Saint-Conteneur. Que son âme repose en paix. Nous y reviendrons. Le temps pour nous de lire les journaux qui ont paru dans la capitale ce mercredi. C'est dans une sélection et un commentaire de Jean-Louis Nassoukama, revue de presse. Les journées de ce mercredi 14 décembre se penchent sur les pourparlers directs avec la majorité présidentielle et le rassemblement sous l'égide de la CENCO, le MLC qui claque la porte à ces négociations, l'adresse d'Étienne Tshisekedi avant le 19 décembre, l'état d'avancement du processus électoral et bien d'autres sujets. Forum des AC évoque à Saïoune 5 août le pari de ce vendredi. Le confrère, tout en argumentant sur la qualité des évêques pour mener les négociations, rappelle les trois commissions qui ont été mises sur pied. Celle de la gouvernance, celle du calendrier électoral et celle de la décrispation politique. Depuis parler qui se tient, nous sommes Mwando Simba décédé le lundi dernier, mais dont l'ombre plane sur les travaux. Des travaux où le MLC et ses amis ont claqué la porte. Pour la secrétaire générale du MLC, Eva Zaïba, c'est plus une question de principe, de considération, de respect des engagements et d'exigence d'égalité et de traitement que celle du nombre de quotas. À la grande surprise du secrétaire général du MLC, la distribution des invitations n'a point respecté la formule initiale de 5 délégués par sous-composante. Ramenant les invitations du front pour le respect de la Constitution à 3 le premier jour pour retomber un jour après à 2. La possibilité se pose en grand une question.
avant le 9 décembre 2016, RDC. Que dira Tshisekedi ? En effet, pour le confrère, quel peut être le contenu d'un tel message à la nation avant le 19 décembre ? Et le concours, de qui Tshisekedi, il, les Congolais, n'attendent qu'un appel à l'apaisement comme le lui avait recommandé d'ailleurs les États-Unis, l'Union Européenne, l'ONU, la SADC, lors de leur dernière déclaration sur la situation délétère que traverse la RDC. Référence 8 revient sur l'état d'avancement du processus électoral. Et titre, le but d'enrôlement aux 12 provinces effectifs à partir du 13 décembre 2016. Le président de la CENI, Corné Nanga, au cours d'une séance d'information, a indiqué que le calendrier électoral est techniquement prêt et pourra être publié très prochainement. La CENI promet de revoir les estimations du budget pour les élections chiffrées à 1,8 milliard de dollars, tout en précisant que le budget couvrira la période de 4 ans, allant de 2016 à 2019. Les dépêches de Brazzaville nous amènent à la Cour pénale internationale, la CPI. Dossier sur l'ordination de témoins. 8 ans de prison requis contre Jean-Pierre Bemba. En clair, Jean-Pierre Bemba a été jugé coupable à la mi-octobre pour avoir influencé de manière corrompue 14 témoins, présentés de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. L'ancien chef de guerre, ses avocats Aimé Kilono et Jean-Jacques Mungenda, ainsi que Fidel Babala, député national du MLC, et un témoin de la défense, Narcisse Arrido, a lui versé de l'argent et donné des cadeaux à des témoins ou leur avait promis une réinstallation de sécurité en échange d'un faux témoignage devant la CPI. Le bureau du procureur a par ailleurs requis la peine totale de 8 ans d'emprisonnement à l'encontre de Maître Kilono, de 7 ans contre Mungenda, 3 ans contre Fidel Babala et 5 ans contre Narcisse Arrido. Et le poussé ce dernier soupir le 12 décembre à Rome, Seigneur Javier Echevarray, le prélève opposé, a tiré sa révérence et écrit Forum des As. Le confrère précise que le second successeur de José Maria Escrivá de Balaguer, fondateur de l'opposé, a reçu la visite de Monseigneur Fernando Ocaris, vicaire auxiliaire de la prélature, qui a pu lui administrer les derniers sacrements l'après-midi même. Monseigneur Javier Echevarray s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il a été secrétaire du Saint José Maria de 1953 à 1975. Il a été élu prélève de en 1994. Il a effectué deux voyages en RDC en 1996 et en 2011. Il s'est rendu au centre hospitalier Biokolo à Mungafula, dont il a béni les patients, le personnel et les nouveaux bâtiments. Une messe pour le repos de son âme sera dite le vendredi 16 décembre 2016 à 18h en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Pour se donner le courage, le léopard U20 implore le coach Ibengue pour son onction de film. Fin de cette revue de presse. Merci pour votre aimable attention. À demain. Merci Jean-Louis pour la revue de presse. C'en est fini pour ce journal, mesdames et messieurs, au nom de Patrick Borel, Moukendi, chef d'édition. Il me charge de vous remercier de l'avoir reçu chez vous. Le prochain journal sur nos antennes, c'est demain de 7h30. Vous retrouverez Patricia Bassois à 10h et à 12h. Ne manquez pas le rendez-vous des 16h pour les actualités en Lingala. Ça sera avec Lydia Ilambo à 19h. Eric Izami sera là pour vous présenter le journal. Et puis, moi, je vous retrouve le lundi prochain, si Dieu le veut. Bonne soirée chez vous.